Greetings, Rhythmic Striker. I'm glad to introduce to you maybe the last Promotes map combo for 2022, in which one we'll have Poland rebuilding and Ukraine expansion, because there is a new road connection between these two maps that is available now. But we won't play War Extended because Ukraine and Roex are using the same scepters. We won't play also Rus map, not for political reason, but because there is no connection between Poland rebuilding alone and Rus map alone. The only RC available is including War Extended, so it is not possible to load it. But we'll have some other maps, such as PEX, that just has been released, that is there. There is also Project E6, that is here in the north of the map. And we will see also some other maps. In this map combo, I'm using also the grid step that is there, but this is the previous version 2.0, because there is a file called model 2 that is available with version 2.0, but which is not available with version 2.1. and I'm using also rock, so of course you can load EAA, but I'm using rock in this combo just to make it easy to load. This combo is very, very light, in fact, even if it's already a huge combo, but it's very easy to load it, even if your PC is not a rocket. And of course, we'll have here EuroAfrica map version 2.3. mods, and there are about 40 maps in this combo. So here we get rock mod loaded the way you want, it doesn't change nothing. Then rock mod UI, mod AI, mod def map, English city name, and this is a CH mod traffic fix, that is all, but still working not too bad. Indonesia map, road PT3, then we get new toolgate, new sign, new road, new prefab, map overlay, prefabs, model 2, Southeast Asia map, and def. On top of that, we get Java Road Revolution model 2, model 1, def and map, letter B, compatible with ProMods, Africa extended, then the grid step. So as I've said, this is version 2.0, so don't make the mistake, do not load for example this one, which is 2.1, because you absolutely need this file model 2. So model 2, model, map, def, and you will have to load the crash fix Actobe, and the English city name, road to Aral, cyber map, living cyber map. Then we get the caps fix and the train connection removed. Road to Azure assets, model 2, model, def and map version 1.6, and we will use the Dalen Valencia ferry connection. Then on top of that, cyber map time zone fix, Corfu and the Greek islands model, def map and ProMods fix. Then ProMods assets, package 3, 2, 1, media, map, def, and the Middle East assets, def, Israel-Lebanon open border, Red Sea assets, map, and the Middle East Red Sea fix. We have Project Greenland and the ferry. Then we get Jan Mayen version 2.2.1. I know that there is a 2.2.2 version, but I cannot download it, so this is the reason why I'm using this one. Then we get Shetland ProMods add-on, and this is version 0.2. We get Ellen Claves
map. Then we get BG Plus, Bulgaria in focus, Macedonia assets rework and definition special transport. If you don't have the DLC special transport, use this file instead of this one. Then we get the MK rework, BG Plus fix, Ukraine expansion that is there, Poland rebuilding assets model map def, and this is the new road connection between Ukraine and Poland rebuilding. Then we get Ireland map, Northern Ireland, Norwich work, Finnmark project E6, that is new, Romania advanced freeway map that we can use instead of raw extended, then PEX rebuilt that we can use also for the same reason. Then we get Western Estonia add-on promods, Santiago, ITA revamp, home in Palermo, Sud de France, and this is the new version 1.6.1, Paris rebuilding, Bourges, which is a city in France. Then we get Eurafrica version 2.3, and here I'm using the No Ferry Atoll, but feel free to use, for example, the No Ferry from Africa, so you will be able to go to Marseille in France and go to Africa, but you will have to use the roads to go back to Europe. Then we get here Ellen Claves connection from Eurafrica. Then we have here Swedish Islands version 1.10 specific to promotes and the Swedish Island fix by Jerry GMC Trucker. I'm using here ETS to All World Map 2.5.5 and the full screen world map. Here it is for this map combo. I wish you very happy kilometers. Thank you for watching this video. Thanks to give me thumbs up if you appreciated. And I don't know, maybe another video before the end of 2022, or maybe it will be the last, I don't know. So I will wish you an happy new year, and take care of yourself. Ciao. Salutations, c'est MX Trucker. J'ai le plaisir de vous présenter ce qui est peut-être le dernier ProMode Map Combo pour l'année 2022. Et dans ce map combo assez différent du précédent, nous allons avoir l'Ukraine combinée avec Poland Rebuilding, puisqu'un nouveau RC, une route connexion, donc est désormais disponible. Alors en contrepartie, on ne chargera pas ROEX, on ne chargera pas non plus RusMap, alors non pas pour des raisons politiques, mais tout simplement parce que ROEX. Et puis, voilà, qu'est-ce que je fais? C'est pas du convoi que je veux faire. Je vais aller sur la carte. Voilà, tout simplement parce que Raw Extended et puis l'Ukraine utilisent les mêmes secteurs, donc elles ne sont pas compatibles. Et puis ensuite, eh bien, il n'y a pas de route connexion entre la Pologne et puis la Russie sans inclure Raw Extended. Donc c'est pas possible. Mais à la place, on a d'autres cartes. Il y a notamment PEX. Où est-ce qu'elle est? Je sais plus. Elle est quelque part par là. Enfin bon. Il y a une bonne petite addition de cartes qui est dans ce secteur. Nous avons également la possibilité d'utiliser une autre carte de la Roumanie qu'on n'utilise pas habituellement puisqu'elle n'est pas compatible avec ROEX. Donc voilà, ça permet de voir un petit peu d'autres choses. Et puis on a également le projet E6, donc pour les pays scandinaves. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant quand même. Et puis, nous allons utiliser ici The Grid Step en version 2.0 et non pas 2.1 parce que la 2.1 n'a pas tous les fichiers qu'il faut pour fonctionner sans RusMap, alors que la 2.0 là. Et puis, nous allons utiliser ici la carte de la Chine. Alors, libre à vous de charger EAA à la place. Mais j'ai mis la Chine tout simplement parce que ce combo sera utilisable alors vraiment par la majorité des joueurs. Il est très facile à télécharger, il n'est pas lourd et pourtant, il est déjà balèze. Et puis ici, bien évidemment, Eurafrica en version 2.3. plus tous les ferry connexions vers Ciudad. Enfin voilà, il y a pas mal de choses.
On va voir ça tout de suite dans le mode manager. Allez, on y va. 94 modes. On commence avec Rock, avec les trois fichiers modes. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Puis mode UI, mode AI, mode Def, mode Map. Et ici, on a l'English City Name. Et puis ça, c'est un fixe pour éviter d'avoir trop de véhicules chinois sur toutes les cartes. Indonesia, New Road PT3, le New Toll Gate, New Sign, New Road Building, New Prefab, Map Overlay, Prefab Pact, Model 2, le Southeast Asia Map et le Southeast Asia Def. Juste au-dessus, on a Java Road Revolution A7, c'est Model 2, puis le Model 1, et puis le Def Map avec la lettre B, la lettre A, et pour autre chose que ProMod. Africa extension, puis de Grid Step. Donc, comme je l'ai dit, chargez bien la version 2 qui contient le fichier modèle 2 qui est ici obligatoire puisqu'on n'utilise pas RusMap. Également le modèle, le map et le def et le crash fix ActoB pour faire fonctionner cette version de Grid Step. De Grid Step English City Name, Rotoural, Cybermap, Living City, Cybermap Caps Fix pour traduire les noms en anglais. Ici, c'est le Train Connection Removed pour régler un problème de train où parfois on reste un quart d'heure derrière les barrières. Road to Asia en version 1.6, Assets, Model 2, Model, Def Map, et puis on utilise le Dalen Valencia Ferry Connection, sinon on ne peut pas y aller. Cybermap Time Zone Fix, ça permet de corriger un petit décalage horaire entre les cartes de Sibir, de Grid Step, etc. et le reste du continent. Corfu and the Greek Islands Model Def Map et ici le ProMod Fix, puis ProMod Package Assets Package, puis Package 3, 2, 1, Media Package, Map Package et Definition Package. Le Middle East Asset Package et le Def et Map Package. Israël, Lebanon Open Border, Red Sea Assets Map et le ProMod Fix. Project Greenland et son ferry. Jan Mayen. Shetland, Ellen Claves, BG+, Bulgaria in Focus. Juste au-dessus, on retrouve Macedonia, Material and Assets, le Rework Map et le Definition ST. Donc utilisez-le si vous avez le DLC spécial transport, sinon chargez ce mode-là. Et ici, on a un fixe pour faire fonctionner Macedonia et BG+. Enfin, on retrouve ici Ukraine Expansion. Donc en version 0.11, voilà, par Dehydra. Nous avons Poland Rebuilding Assets Model Map Def. Alors vous pouvez également charger juste au-dessus le... Comment il s'appelle ? C'est la même chose que pour Macedonia. Voilà, le Spécial Transport, j'en perds mes mots. Donc vous pouvez le mettre juste au-dessus. Poland Rebuilding, Ukraine Expansion Connector, Irlande, Northern Ireland, Norwich Rework, Finnmark, Project ISIS et le Romania Advanced Freeway, PEX, Western Estonia, Santiago, Itarivamp, Romine Palermo, Sud de France par Charlie en version 1.6.1. Paris Rebuilt, Bourges, et au-dessus, vous allez placer Eurafrica, donc en version 2.3, suivi de Eurafrica No Ferry Atoll, mais vous pouvez également choisir le No Ferry From Africa, ça veut dire que de Marseille, vous pourrez aller en Algérie, mais vous ne pourrez pas aller de Eurafrica vers le continent européen sans passer par la route. Alors c'est une option, hein, chargez-le ou pas. Et puis ça aussi c'est une option, mais qui permet d'aller de Finidec au Maroc vers El Enclaves. C'est un ferry connection. Swedish Islands en version 1.10, 1.02 n'est pas pour ProMod, donc utilisez bien celle-ci. Ici on a un fixe qui permet de corriger un crash lorsque l'on va dans un garage. ETS 2, All World Map 2, 5, 5 et le Full Screen World Map. Voilà pour ce map combo, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si je dois vous souhaiter un
un bon réveillon, un bon jour de l'an. Peut-être que je ferai une autre vidéo encore, j'en sais rien. Donc dans le doute, voilà, bonne année à tous. Et puis souscrivez à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Ciao!